Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Keren Demri, je suis chercheuse postdoctorale à l'École pratique des hautes études et je travaille sur deux thématiques qui sont à la fois indépendantes mais extrêmement corrélées, à savoir comment prévenir les différentes formes de violence dès la petite enfance pour favoriser un mieux vivre ensemble et même un bon vivre ensemble au sein de notre société. Alors dans cette optique, je me suis intéressée il y a maintenant un peu plus de 7 ans à la mise en place de l'enseignement moral et civique, ce que nous, ancienne génération, avons connu sous les termes d'éducation civique ou encore d'éducation civique, juridique et sociale et d'instruction morale. Et de cette étude est née cette unique spécimen qui retrace la mise en place donc de cet enseignement moral et civique et les différents obstacles qu'il a dû affronter pour être enfin effectif dans les classes entre 2015 et 2017. Alors cet ouvrage, Jean Bobéro nous a fait le privilège de nous préfacer, dans la mesure où qui dit valeur morale et civique dit liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité. Et finalement, toutes ces valeurs sont aussi des questions épineuses qui ne sont que le reflet de ce que notre société, au sens large, peut vivre. Et à l'heure actuelle où on nous demande de faire preuve de cet esprit de responsabilité et de civisme, la question finalement est de savoir dans quelle mesure l'école peut-elle, elle aussi, participer à cette éducation à la liberté responsable par le moyen de cet enseignement moral et civique. Donc vous l'aurez compris, ces questions concernent toute la société dans son ensemble, tous et chacun. Donc ce livre est disponible à la FNAC, il est disponible aussi sur Amazon et sur le site de l'éditeur. Il est à 28 € et il est rédigé de telle sorte que tous nous puissions nous sentir concernés. Donc, welcome!